Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est la vidéo de notre voyage de noces. Donc je ne vais pas vlogger une journée spéciale. Je vais vous faire un road trip en gros. Et je vais vous vlogger notre séjour entièrement ici. Donc vous aurez aujourd'hui, vous aurez peut-être demain, vous aurez peut-être... Enfin, je vais vlogger sur plusieurs jours et je vous ferai un seul vlog, donc il risque d'être assez long. Donc on est parti à Punta Cana, comme vous avez dû le voir sur mon Instagram, je vous le remets juste ici. On est parti à Punta Cana pour 9 jours, 7 nuits, on est arrivé samedi, c'est ça? On est arrivé samedi, on repart samedi, on arrivera dimanche en France. Ça fait déjà quelques jours que je suis ici, ça fait 2 jours. On est quel jour? Je sais même plus les jours, on est lundi. Donc ça fait déjà quelques jours qu'on est ici, donc on est dans le camping Princess. Punta Cana du coup, c'est un 5 étoiles, donc celui où on est c'est un hôtel déconseillé aux enfants de moins de 18 ans. Donc comme vous l'avez vu, je n'ai pas pris Zouzoute, elle est restée avec Tapi Mamie. Le départ a été un peu compliqué, en plus on a un décalage horaire de 6 heures, donc vous en France vous avez 6 heures de plus, nous là c'est le matin. Du coup on a fait hier, on s'est approprié les lieux. On a visité, on a été voir les piscines, on a eu quelques contacts avec des personnes, tout ça. On a eu rendez-vous avec notre chef d'excursion, si c'est ça, non? Notre chef de voyage, enfin. Donc on a pris quelques excursions, tout ça. Là, on sort du massage. Je vais souffler. Là, on sort du massage. On a eu un massage de 25 minutes chacun en face de la mer. C'est plutôt agréable. Ensuite demain, donc mardi, on va au Dauphin. Donc je pense que je vais vlogger ma journée, tout ça. Mais par contre c'est interdit de faire des photos et des vidéos au Dauphin. Donc je pense que je vous mettrai quelques photos, soit le jour J, soit sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vous en mettrai peut-être aussi en fin de vlog. On verra. Jeudi normalement, si tout se passe bien, si le temps est ok, on va à l'île Sauna. Donc c'est l'île qu'il faut presque absolument faire quand on est ici. Donc voilà. Pour celles qui me demandaient ici, bien voilà. Pour celles qui me demandaient, on est en all inclusive. Donc après on est passé par une plateforme, c'est Au Voyage. Donc après, je vous conseille aussi de regarder les ventes privées. On a beaucoup regardé là-dessus. Où on est, c'est un hôtel où en fait il y a combien d'hôtels autour? C'est 5. Un ensemble de 3 hôtels. Ah, c'est un ensemble de 3 hôtels en fait. Regardez, il y a les animaux. Donc en fait, c'est un ensemble de 3 hôtels. Et les 3 hôtels, en fait, si vous avez le hall exclusif dans, par exemple, l'hôtel Princess où on est, vous avez le hall exclusif dans les autres hôtels. Il y a juste 2 ou 3 restaurants qu'on n'a pas le droit, donc c'est des restaurants de haute gastronomie. Ça nous intéresse pas, on aime bien les trucs bien gras, nous. Mais regardez. Ouais. D'où l'expression canard boiteux. Donc, du coup, là on est dans l'hôtel à côté du nôtre. On va dire qu'on visite un peu, on va aller profiter de la piscine, on va aller profiter de la plage. Et puis ben, franchement, je vous conseille, si vous voulez aller à Punta Cana, et je vous conseille Punta Cana, c'est vraiment joli. C'est des paysans surtout. Bon, après j'arrive pas à très bien communiquer parce que principalement ils parlent l'espagnol. Espagnol, je suis une brêle. Ils parlent anglais. On va dire qu'anglais, j'arrive un peu à me débrouiller, mais heureusement que j'ai mon cobaye avec moi. Mon cobaye. Heureusement que j'ai Gaëtan avec moi. Et après, il y en a certains qui arrivent à parler français, et il y en a qui parlent très bien le français. Donc pour se faire comprendre, c'est assez simple. Putain, on dirait une jungle. C'est assez simple. Donc je vous emmène avec moi sur tout mon séjour, et puis bah, j'espère que cette vidéo vous plaira. Il est
il doit être 10h et quelques. Du coup, ce qu'on fait, c'est que là, on va faire une petite pause à la piscine parce qu'il fait très très chaud. Je suis même en train de goûter. Là, il y a le bar. Ici, là, il y a le bar dans l'eau. Du coup, on va aller se poser sur un tabouret et boire un petit coup. D'ailleurs, ici, ils font des cocktails, mais avec de la glace, en fait, comme des granitas, mais en cocktail, en fait. Et c'est trop, trop bon. Du coup, on va aller prendre ça. Gaëtan est parti mettre son maillot de bain. Et puis, ben, on va faire un petit plouf. Du coup, je vais reprendre mon petit transat. Vous devez peut-être entendre la mer. On a fini de manger. Donc ce midi, c'était... Donc en fait, on a plusieurs restaurants, des buffets. Ce midi, c'était buffet italien. Ce soir, on va aller manger soit Tex-Mex ou chinois, on ne sait pas encore. Donc voilà. Là, Gaëtan est parti se baigner. Moi, je bronze. Je vais aller me baigner après. Et puis ben voilà. Chez nous il est encore tôt. Du coup comme on a un sacré décalage horaire, ben en fait les journées nous semblent très très longues. Ça fait bizarre. Enfin bref. Donc voilà, on va profiter. Là le soleil est derrière un nuage. Ça fait du bien. Il fait très 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 chaud aujourd'hui. Bon, du coup, on est rentré à l'hôtel. Je me suis changée. Il fait super chaud. On a 32 degrés aujourd'hui, ressenti 39. Il fait super méga chaud. Du coup, on est rentré parce que, ben, en fait, le restaurant mange ce midi. Il ouvre à 13h. Donc, il est 13h. On va y aller. On va aller manger. J'ai méga faim. Par contre, ici, je sais pas si c'est l'air ou si c'est avec le décalage horaire. Mais j'ai super méga faim. Et à 4h du matin, j'ai faim, en fait. Donc... c'est à peu près l'heure du petit déjeuner chez vous. Et puis voilà. Les femmes de ménage vont repasser faire notre lit. Remplir le frigo. Parce que du coup on a un mini bar. Je vais vous faire un... dans l'après-midi ou dans la soirée. Je vais vous faire un petit tour de la chambre qu'on a. Comme ça je vais vous le mettre aussi dans le vlog. Et vous aurez un aperçu de la chambre où on était. Donc c'est une suite spéciale lune de miel en fait. Quand on est arrivé, il y avait des pétales sur le lavabo, sur la baignoire. Donc je vais vous montrer tout ça dans les prochaines vidéos. Du coup là on file manger et puis ben cet après-midi ça va être piscine et plage. Voilà. En attendant, on va aller au buffet. Du coup je vais vous montrer. Alors ce que vous entendez là c'est la clim qui est en train de tourner. Du coup, ça nous fait un petit couloir avec le placard, le coffre-fort, enfin toutes nos affaires. Un joli petit miroir. Ça, c'est mon soutien-gorge de maillot de bain. du coup, là, on a le bain qui fait bain remous aussi, donc ça fait un petit jacuzzi. Quand on est arrivé, il y avait plein de petites fleurs tout autour. C'était trop mignon. Là, notre salle de bain. Par contre, leur porte, c'est vraiment bizarre. Heureusement, je suis avec Gaëtan. Mais si vous venez entre amis, vous voyez vos amis faire pipi et quelqu'un, quoi. Bref, donc ici, les toilettes, la douche à l'italienne. Donc, ça fait une douche comme ça. Là, on a toutes les serviettes et ils en remettent tous les jours.
les gels douches qu'on a aussi tous les jours, ils en remettent tous les jours aussi, le petit lavabo, les produits de toilette, un petit miroir. Ensuite, ici on a, je sais pas ce que c'est, un petit banc, on a mis nos valises. Donc ici après ça fait le petit coin chambre avec un petit coin cocooning. Du coup ici on a notre lit, il est super moelleux, c'est un 200 sur 200, les coussins ils sont mais je pense que je vais en prendre. Donc voilà, une télé qui nous sert à rien parce que les chaînes sont en espagnol comme je vous le disais sur Instagram. Les chaînes sont en espagnol et on a fait le changement de langue et en fait ça ne fonctionne pas, du coup on se sert du téléphone. Le petit canapé, ma robe de mariée de la mairie. Normalement, si avec Gaëtan on trouve un créneau, on va faire... Pourquoi tu rigoles ? On va faire une séance photo, enfin moi je voudrais faire une séance photo à la mer avec ma robe. On a un petit balcon qui donne la vue sur... des beaux palmiers. Bon, je vais pas dehors parce qu'il fait très chaud. Franchement, c'est trop agréable. Même le soir, c'est assez agréable parce que tout est... j'essaierai de vous faire une vidéo dans le soir, en fait. Mais toutes les petites statuettes, là, comme ça, elles sont éclairées. C'est super joli. Donc là, on a un petit coin qu'on ne se sert pas, d'ailleurs. Ici, on a tout ce qu'il faut. Cafetière, le café, le thé. Et ici, on a un mini bar qui est rempli tous les jours. Coca, Sprite, bière, eau. Et ils passent tous les jours le remplir quand ils refont le lit. Bon, il est 19h30. Je sors du bain. J'ai pris un bain pour me détendre. Et ensuite, j'ai pris une douche pour laver mes cheveux. Donc voilà. Du coup, ce soir, on mange quoi, Gaëtan, ce soir? Mexicain. Donc ce soir, on mange mexicain donc dans notre hôtel. Et après il y a une activité, enfin il y a un spectacle dans l'hôtel voisin, du coup on va y aller juste après. Si ceci est intéressant, je vous le mettrai dans le vlog là juste après. Sinon vous aurez rien. Tout simplement. Par contre il fait super chaud encore. Je sais pas combien il fait mais aujourd'hui on a eu 32 et en ressenti 39. Eh, c'est une bière d'ici, tu vois. C'est une bière d'ici, tu vois. Elles sont bonnes. Ouais, la plus diverse. D'accord, à tes souhaits. Voilà. Ceci n'est pas un placement de produit. Non, sinon pas par chez nous. Donc voilà, du coup, comme vous pouvez le voir, on a pris quelques petites couleurs. On est un petit peu rouge. Bon, ça va, j'ai pas mal. Toi, t'as mal? Voilà. Du coup, on va aller manger. Je vais revenir. Je vais faire 3 tonnes. Et puis, si y a des spectacles, donc il y en a tous les soirs. Je pense que ceux qui seront intéressants, je vais vous les filmer pour vous les mettre dans le vlog au fur et à mesure en fait des jours et des soirées. Si vous avez rien, c'est que ce n'était pas forcément intéressant. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous reprends soit tout à l'heure ou soit du coup demain. Et je vous préciserai bien à chaque fois que aujourd'hui on était lundi, à chaque fois que je vous reprends. Et demain on va voir les dauphins. Like a
mardi je ne sais combien, mardi 14, on s'est levé à 7h, on dort de mieux en mieux. Comme nous a dit un Français qui habite ici, on s'habitue une heure par jour et là on commence à avoir de vraies nuits. Ça dort sur les coups de 23h je crois, on se réveille sur les coups de 7h, donc ça commence à être bien. Aujourd'hui là on se prépare, donc maillot de bain, robe, short pour Gaëtan. On va déjeuner, non short pour Gaëtan j'ai dit. On va déjeuner, donc pareil hein, le matin on a le buffet à volonté, leurs beignets ils sont délicieux. On va déjeuner, ensuite on remonte préparer notre sac avec les serviettes de plage, lunettes de soleil, crème solaire, chapeau, casquette, machin. Parce qu'à 9h15, il y a la navette qui vient nous chercher pour aller avec les dauphins. Donc en fait on va avec les dauphins, c'est la matinée, enfin ouais c'est la demi-journée en fait. Donc on arrive là-bas, je crois qu'il y a une demi-heure de route. On arrive là-bas, on est plusieurs groupes en fait. On nage avec les dauphins, on a nos photos, on paye nos photos, on prend les photos qu'on veut. Et puis après, on retourne. Je crois qu'il y a un bateau rapide qui nous emmène jusqu'au ponton, où il y a les dauphins. Et puis bah, après, pareil pour le retour. Et puis on rentre en navette. Par contre, ici, c'est quelque chose de fou. Ils n'ont pas de code de la route. Et ça conduit trop bizarre. En fait, ça double à gauche, ça double à droite. C'est celui qui ira le plus vite sur la route et tout. Enfin, c'est assez bizarre. Bref, je filme coiffée, déjeuner, et puis ben, je pense que je vous reprendrai quand on partira. Et j'essaierai de, selon la route qu'on prend, j'essaierai de vous faire une petite vidéo pour que vous voyez un peu que c'est assez différent de chez nous. Voilà. Il est 14h25, on va repartir de l'île aux dauphins, donc en fait on a fait plein de choses. On a acheté des photos, je vous en publierai quelques-unes sur Instagram. On a nourri des oiseaux dans nos mains, on a porté des perroquets, on a fait des photos avec des otaries où les otaries nous font des bisous, on a vu les dauphins, on a nagé avec les dauphins, des bisous aux dauphins, des câlins, on les a fait chanter, enfin on a fait vraiment plein de choses. C'est vraiment ce qu'on voulait si on venait à Punta Cana. Du coup là on reprend le bus. Je crois il y a 50 minutes de route. Je vais vous mettre des vidéos juste après, des spectacles, des perroquets, des spectacles d'octari, tout ça. C'est franchement magnifique, je vous ai filmé que des petites séquences sur tout ce qu'on a vu. On va rentrer, on va aller manger et on va aller faire un plongeon parce que là on a trop chaud. Franchement, j'ai regardé l'heure tout à l'heure, à 13h on avait 31 degrés. Donc là, je pense qu'on a pris des couleurs aussi. Du coup, on va rentrer manger, piscine, et puis ben, ce sera déjà fini. Thank you.
tête. On rentre, je suis KO. Il est 19h30 chez nous. Je vais aller prendre ma douche, on va aller manger ensuite. J'ai pris quelques petites couleurs. Ouais, ouais, ouais. Bref, on a fait les boutiques. Zouzout m'a dit, maman, tu pars en vacances à l'avion. Je veux que tu me ramènes des coquillages. Chose faite. Bon, je vous ferai une petite story sur Instagram où je vous montrerai quand elle l'ouvre, où je vous montrerai ce que c'est. Parce que là, nous l'a emballé justement pour l'avion. Et donc, en fait, c'est un mélange de petits coquillages avec des étoiles de mer, tout ça. Et ma grosse, elle est fan de Peppa Pig. Du coup, je lui ai pris le Peppa Pig avec le Punta Cana. Donc, on peut en acheter partout des Peppa Pig. Hein, mais là, il y a écrit Punta Cana, donc ça lui fera un souvenir. On lui a pris ça et je vais aller dans d'autres... Je vais aller dans d'autres boutiques aussi parce que je voudrais m'acheter une serviette Punta Cana ou un truc comme ça. Et je voudrais ramener un truc, enfin on voudrait ramener un petit souvenir à nos mamans. Donc voilà, ils font des petites fioles avec du sable de la plage d'ici, en fait, de Punta Cana. Du coup, je pense qu'on va leur prendre ça. Et puis moi, je vais me prendre un petit magnète, vous savez... Le classique, le petit magnète de où on va en vacances. Donc voilà. Gaëtan, il est à la douche, il est en train de faire des dessins sur les vitres. Bref, je vais aller à la douche. Ce soir, on a un spectacle latino. Donc pareil, comme chaque soir, si c'est bien, je vous le filme et je vous le mets après. Sinon, ben, je vous reprends demain. Voilà. Enfin, jour numéro 3 où je vlog. Aujourd'hui, rien de spécial, à moins qu'on fasse une petite activité. Mais rien de spécial de prévu au programme aujourd'hui. On a beaucoup mieux dormi, je me suis réveillée à 7h, donc on gagne vraiment une heure par nuit. Quand on va être habitué, on va retourner chez nous. Bref, demain sera beaucoup plus intéressant parce que demain, on va sur une île, normalement. Si tout va bien, si le temps le permet, parce que s'il y a beaucoup de vent, en fait, il nous déconseille d'aller sur l'île le lendemain. Donc, on verra bien. Là, il est 8h chez nous. On va aller... Gaëtan, il finit de prendre sa douche. On va aller déjeuner. Après, on va revenir ici chercher les affaires. Parce qu'en fait, au restaurant, on n'a pas le droit de prendre le sac. On va revenir chercher les affaires pour aller au restaurant chinois pour nous réserver pour demain soir, du coup. Par contre, j'allais m'attacher les cheveux parce que j'ai méga chaud. Et puis après, bah, ça va être, je pense, piscine, peut-être plage cet après-midi. Il y a un restaurant où on a les pieds dans le sable avec la mer juste en face pour boire un petit coup, manger quelque chose. Donc souvent, on va là à l'heure du goûter. Mais je pense que sinon, ça va être principalement piscine aujourd'hui. Donc je pense que je vous mettrai une petite vidéo de la piscine à moins qu'on aille dans la piscine dans l'autre hôtel. Je ne sais pas, dans tous les cas je vous mettrai une petite vidéo. Du coup, je vous reprends seulement maintenant. Il est... Et quelle heure, Gaëtan? 14h34. Et 14h30. On a fini de manger. Du coup, on a été manger au buffet. On a réservé, comme je vous disais, pour le restaurant chinois demain soir, c'est ça? Demain soir. Ah, il voulait nous faire bouffer à 21h, à 18h. Non, 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 non. Du coup, on y va à 21h. Il s'est passé un truc de malade, les gars. J'ai traversé l'hôtel. J'ai pris un coup de soleil sur les cuisses. Le temps de traverser l'hôtel. C'est un truc de fou. Il fait 32 degrés, ressenti 40 degrés. On est littéralement en train de crever. Du coup, on va aller à la piscine.
Je vais aller me baigner parce qu'il fait trop chaud. Mais je vais aussi mettre de la crème solaire. Je vais aussi mettre de la crème solaire. J'ai eu Zouzoute au téléphone. Elle va très bien. Elle nous snob un peu même. On l'appelle à la cam. Elle m'a dit, maman, tu m'as ramené mon coquillage. Du coup, bah oui. Ah, tu peux me le donner? Bah non, je peux pas. Mais sinon, elle va très bien. Elle va chez les deux mamies. Elle va aller voir elle a vu les tatas. Elle va voir son parrain. Tout va très bien pour elle. Elle s'éclate. Elle joue dehors. Elle a été voir les animaux. Il l'emmène un peu partout. Et puis, ben voilà. On va aller à la piscine. On a une dure après-midi qui nous attend. Piscine, plage, ça va être difficile. Bon, on se retrouve. Il est 19h. Je suis complètement amorphe. Je suis à l'ouest, je suis au ralenti, enfin tout ce que vous voulez, mais je suis pas en forme. Aujourd'hui, on a eu très chaud. On a eu 32 degrés, si ce n'est pas plus. Un ressenti de 40 degrés. Et en fait, malgré la crème solaire et qu'on soit à l'ombre et qu'on boit et qu'on machin, tout ça, on a eu des coups de soleil. Mais quand je vous dis des coups de soleil, enfin, tout le monde en fait, même ceux qui étaient dans la piscine et tout, ils étaient rouges. Je sais pas si vous allez voir, mais attends, je vais me mettre à la lumière. Donc là, bon, là j'ai pas mal, mais le pire c'est mes jambes. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est d'un rouge, mais enfin bref, lui aussi il a cramé là. Il a cramé sur ses orteils aussi. Donc on a mis de la crème, enfin on a mis de la, oui on a mis de la crème solaire toute la journée, et là au soir on a mis de la, c'est de la biafine, c'est un peu comme de la biafine, enfin c'est pas de la biafine parce que ça passait pas pour l'aéroport dans les tubes, du coup c'est en piche, Urgo, voilà c'est ça, Urgo. Donc ça, franchement ça fait du bien, ça soulage, ça fait frais sur les coups de soleil, mais je sais pas si on va bien voir. Ah bah là on voit la démarcation. Mais bon, voilà, mon dos, je sais pas ce que ça donne, mais ça doit pas être mieux. Je voulais mettre un short, enfin au début je voulais mettre un short. Puis bah en fait le short avec les coups de soleil c'est pas top. Du coup j'ai dit bah je vais mettre un pantalon, sauf que bah, mon pantalon il a un trou. Voilà, je sais pas d'où ça vient, il a un trou. Du coup je finis en longue robe. Pour celles qui m'ont demandé sur Instagram, elle vient de chez Shein. Donc mon dos, voilà mon dos. Tadam. Bref, quand on est arrivé ici, ils nous ont demandé, ça faisait combien de temps? Ça faisait 2 jours. Ils ont dit, ah oui, c'est normal, vous êtes encore blanc. Je comprends mieux. Mais bon, on va mettre de la crème. En robe, ça passe, hein, donc c'est bon. La robe, elle est longue, on va pas voir les coups de soleil, mais il va falloir que je me réhydrate parce que je sens que je suis un peu dans les vapes. Donc voilà, ce soir on va manger au buffet avec Gaëtan, c'est buffet asiatique ce soir, et puis après on va au spectacle, et comme d'habitude je vous mets un petit extrait du spectacle juste après. Voilà. Je vous reprends, il est 22h15 je crois. Non, 22h30. Vous avez qu'une vidéo du cabaret, enfin du spectacle. On n'est pas resté jusqu'au bout parce que ben, en fait j'ai attrapé un coup de soleil comme je vous ai montré. Et en fait je crois que... Enfin, ou alors j'ai mangé un truc, j'en sais rien. Je pense que c'est le soleil quand même. Et en fait, je suis pas du tout au top de ma forme. Gaëtan, il est en train de me mettre de la biafine sur mon coup de soleil. Je suis pas au top de ma forme. Et en plus de ça, l'avion,
Enfin, je suppose que c'est l'avion. Avec mon oreille, et j'ai une grosseur qui a poussé entre mon oreille et ma gorge, et ça me fait assez mal. Donc ça va, j'avais pris des cachets, j'avais pris tout ça, donc ça va. Mais voilà, et de toute façon, partout où je vais, il faut qu'il m'arrive des conneries. Donc quand on est parti dans le sud, j'ai fait une intoxication alimentaire avec les moules. Quand on est allé à Berck, j'étais enceinte et je sais plus ce que j'avais eu. Quand on a été à Maryland, j'étais pas bien, j'étais à deux doigts de faire un malaise. Enfin voilà, je pourrais vous en sortir encore et encore. Donc bon, après je pense que c'est surtout le soleil, parce qu'il était très 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 hard aujourd'hui. Écoute, soleil, c'est juste affreux. Mais bon. Mon chéri, le top, il est en train de me mettre de la crème. En tout cas, je me suis mis en pyjama, je vais aller faire dodo. Je suis au bout de ma vie. Demain, tout ira mieux. Je l'espère. Bon, jour numéro 4. Je ne parle pas fort, je suis dans le bus. Aujourd'hui, on va à Saona, donc c'est une île. Une des plus belles îles du monde, je crois, un truc comme ça. Donc on y va toute la journée, donc j'ai appelé un petit peu Zouzout ce matin. Enfin, du coup c'est ce midi chez vous. Là on prend la route, on en a pour une petite heure. Et on passe la journée là-bas, on fait du bateau rapide, du catamaran. Et après tout, on a avec un guide, en fait, on va visiter l'île Saona, qui est une super belle île. Et de toute façon, je vais vous faire des petites vidéos, vous aurez juste après. Bon, alors j'espère que vous allez bien m'entendre, parce qu'il y a la pochette aquatique. On est bien arrivé. Du coup là on va prendre le bateau rapide et après sur le retour, donc on arrive à Lille et sur le retour on sera sur un catamaran pendant 3 heures avec musique, ambiance, tout ça. Donc là je vais vous filmer un petit peu le bateau rapide et puis bah, je vous filmerai après quand on arrivera à Lille Saona. Bon, il est 14h20. J'ai réalisé un deuxième rêve. Je bois dans une coco. Pour certains, c'est rien. Mais je vous jure que de boire dans une coco, c'est ce que je voulais quand je le voyais à la télé et tout. Ça donnait vraiment envie. Donc voilà, donc il y a eu du lait de coco. J'ai pas trop aimé. Et là maintenant, on a mis nos cocktails dedans en fait. Donc je vais essayer de le ramener à l'hôtel. Et puis après, ben, on verra pour boire les cocktails, tout ça dedans. Donc là, on est toujours sur l'île. On a toujours des coups de soleil. Je suis pleine de sable. J'ai horreur de ça. J'ai qu'une envie, c'est de rentrer et de prendre ma douche. Bref. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que là, on reste encore une heure, je crois. Et après, on va sur le catamaran pour 3 heures. Et il y a un DJ, il y a tout ça dessus. Donc je pense que ça va être cool. Je vous ferai, je pense, quelques vidéos sur le catamaran. Et puis bah, après, retour au bus et on rentre à la maison. Et j'ai hâte de prendre une douche. Bon, il est 19h20. Bon, comme vous voyez... Là c'est pareil, on a pris des coups de soleil. Bon bref, 19h20, on vient de rentrer donc de l'île de Saona. C'était vraiment bien.
En plus, il y avait des Français, donc on a sympathisé avec eux, tout ça, on a bien discuté. Ça fait du bien de parler en français, on va dire. Donc voilà, 19h20, je vais filer à la douche parce qu'on est tout sableux, tout. Ben, j'aime pas ça. Je file à la douche, on se prépare ensuite, comme je vous disais, on va au japonais ce soir. Je voulais dire un truc, je ne sais plus. Oui, donc l'île de Saona, franchement, c'est vraiment top, 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 top. C'est vraiment magnifique. Donc, ce que j'ai adoré en fait, le concept de l'aller en bateau rapide, donc comme je vous ai mis juste avant. Et le retour, c'est en catamaran en fait. Donc, le catamaran, c'est vraiment trop, trop bien. Je vous ai fait quelques vidéos du catamaran, mais étant donné qu'on était nombreux dessus et que je pouvais pas trop aller sur les bords, je vous ai fait quelques. Il y a une ou deux vidéos, je crois, que je vais essayer de vous les mettre. Il y a ça. Et dessus, on avait à boire, on a pu faire des photos avec des chapeaux République Dominicaine. Il y avait de la musique, donc ils ont dansé. Il y a même Gaëtan qui a dansé, tout ça. Donc franchement, c'est vraiment génial. Et puis bah, après, le retour en bus. Voilà, on a pris, mais vraiment, vraiment des couleurs. Là, on le voit encore, ça fait encore un peu plus rouge, je trouve, à la caméra. Enfin bref. Ma cuisse, n'en parlons pas. Gaëtan, c'est pareil. Épaule, dos, tout ça, ça a pris de la couleur. Mes cheveux, ils sont tout dégueulasses. On a été se baigner, donc c'est vraiment... Bref. Sur ce, moi, je vais aller me laver, je vais aller me préparer. Et puis, je vous reprends soit pour ce soir le cabaret, ou soit pour demain. Voilà. Hola. Je peux le dire. on est vendredi. Donc pour nous c'est l'avant-dernier jour, demain on a toute la journée, c'est ça, on a toute la journée, mais le bus vient nous chercher à 17h pour prendre de l'avion à 20h, enfin il décolle à 20h. Donc aujourd'hui on va profiter, mais on a aussi préparé les valises, on a séparé valise linge sale, valise linge propre. Comme ça demain on sait que nos fringues elles sont prêtes, on n'aura plus qu'à fermer les valises. Et donc on a le droit de profiter, donc on doit rendre la chambre de l'hôtel à midi, mais on a le droit de profiter jusqu'à 17h en fait, que le taxi, enfin le bus vienne nous chercher. Et si on veut, vers 15h30, 16h, on peut aller prendre une douche. Donc demain matin, demain midi, on va profiter à fond. Et vers 15-16h, on ira prendre la douche, on s'habillera, donc on part en short parce qu'il fait très chaud. On va rester à l'accueil en fait, comme il fait frais et on a les boissons, donc on pourra profiter une petite heure ici jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. Et dans l'avion, on a prévu le pantalon et le t-shirt avec une veste au cas où, parce que bah, en arrivant à Paris, il va pas faire 35 degrés comme on a ici. Donc par contre, je resterai en claquette parce que remettre des chaussures tout de suite, ça va pas être du tout facile. Donc ce matin déjà on a été prendre notre petit déjeuner, on commence à mieux dormir. Ce matin c'est réveillé, il était 8h je crois, on commence à bien mieux dormir. Donc là on a pris notre petit déjeuner, on a été à la piscine toute la matinée. Ça fait un bien fou, en plus il y avait des petites animations, il y avait des jeux, de la musique, tout ça. Là du coup chez nous il est 13h, on va aller prendre le repas. Je viens d'avoir ma zouzoute au téléphone, mais tout se passe bien pour elle. À fou le brin, donc tout va bien. et puis bah, après le repas cet après-midi on va aller à la plage. J'essaierai de faire encore de faire quelques petites photos. J'ai fait pas mal de photos avec le Polaroid aussi. Et bah pareil hein, j'essaierai de vous mettre tout ça sur Instagram à mon retour en France. Parce que en fait quand je suis ici, j'ai l'impression d'être bah, en fait d'être décalée. Donc enfin je suis décalée de vous, mais j'ai l'impression d'être déconnectée en fait. Tout ce que je fais, j'ai l'impression d'être en retard en fait. Par exemple quand je mets des stories, tout ça. Des fois, enfin, je regarde le nombre de vues, tout ça, machin, et en fait, c'est trop décalé parce que quand je publie, par exemple, le midi chez moi, c'est le soir chez vous. Quand je publie le soir chez moi, c'est la nuit chez vous. Donc, en fait, on est complètement en décalage. C'est juste horrible. Ce décalage horaire est affreux. Soit ça ne devrait pas exister, soit ça ne devrait pas y avoir plus de 3 heures de décalage, en fait. Parce que c'est vraiment pas facile. C'est pareil, là en fait quand j'appelle le midi Zouzou pour lui dire bisous, bonsoir, bonne nuit, tout ça, en fait il est que midi chez nous. Il est déjà 6-7 heures chez vous. Donc c'est bizarre. Bref. Et hier soir, donc on n'a pas été au cabaret parce qu'on a été au restaurant chinois. Donc je vous ai pas mis de vidéo de cabaret parce qu'on a fini de manger tard. Et
Par contre, j'ai fait des photos avec un singe, chose que je voulais faire depuis trop longtemps. Ça faisait trop longtemps que je saoulais Gaëtan avec ça. Donc j'ai eu un petit singe dans mes mains, sur ma tête, sur mes épaules. Enfin, les photos, elles seront disponibles que là dans la soirée. Donc on ira les voir et après, je sais pas combien ça coûte, si je les prends, si je les prends pas, je sais pas du tout. Donc on verra bien. Je pense que j'en prendrai peut-être une quand même. On a celle avec les perroquets, on a celle avec les dauphins aussi. Donc ça fait des souvenirs. Donc voilà. Moi, je vais les manger. Et puis, ben, cet après-midi, plage. Du coup, on se fait une petite après-midi à la plage. Il y a du vent et franchement, ça fait du bien. Je dis même heureusement, je suis en train de vlogger dans la mer. C'est pas tous les jours que je fais ça. Et franchement, heureusement, ça fait du bien. Parce que sinon, on aurait beaucoup trop chaud. J'ai vu un petit ponton où après, on va aller faire des photos. Là, il y en a qui sont en train de décoller un petit bateau. Je vais vous filmer ça et je vous le mets juste après. Du coup, je vous reprends, je disais, je vloggerai un verre, c'est pas tous les jours qu'on ferait ça. Je crois même qu'il y a un mariage juste à côté de nous. Ils sont super bien habillés, il y a photographe et tout, enfin bref. Par contre, ce qui est désagréable, c'est qu'il y a des algues. Et les algues, vous savez, la sensation quand ça se coince dans les pieds ou les doigts de pied. Ben, j'ai cette sensation, c'est horrible, j'aime pas ça. Mais bon... Sinon c'est plutôt agréable, même l'eau de la mer ici elle est chaude. D'habitude je me baigne jamais dans la mer, sur la mer du nord, la mer du sud et tout. En fait j'aime pas du tout me baigner dans la mer, mais alors celle-ci ça me dérange vraiment pas. Elle est chaude en fait. Donc voilà, bon, on va aller se poser avec un petit cocktail, on va aller faire quelques photos que je vous publierai sur Instagram. Et puis bah, après on rentrera se doucher et puis on ira manger. Ce soir on mange italien. Voilà. Bon, du coup on est revenu à la piscine et il se passe un truc de ouf. Il y a une soirée mousse dans la piscine. Je vais vous filmer ça pour vous en mettre un petit extrait après dans la suite de la vidéo. Mais c'est génial. Je vais vous filmer ça. Gaëtan du coup il court, il est pressé.
Il est 7h, non, 8h. 8h un quart chez nous. C'est notre dernier jour. On est donc samedi. C'est le dernier jour ici. Dernier jour où je me lève avec une magnifique vue sur les palmiers. J'ai essayé de vous montrer. Je sais pas si je vous l'avais montré. Voilà. Et là, sur le côté, il y a la piscine et la plage. Donc, mais on repart aujourd'hui. Donc, bon, ce qui est bien, c'est qu'on a toute la journée ici quand même. Notre taxi vient nous chercher à 17h pour nous emmener à l'aéroport et de l'aéroport reprendre l'avion jusqu'à Paris Charles de Gaulle. Donc voilà. Du coup, on a commencé à. Enfin, on a finalisé les valises. Il restera que les derniers trucs à mettre, les produits de beauté, les trucs comme ça. Du coup, la valise de Gaëtan nous sert comme valise de linge sale et la mienne, on a mis tout le linge propre dedans. La petite valise qui va en cabine, on a même fourré des petits trucs dedans. Dans mon sac, moi, j'ai prévu un change parce que je pars en short, t-shirt. Mais arrivé en France, on m'a dit de me couvrir. Donc, je mets un pantalon et un gilet, enfin un pull. J'ai pris pull et gilet au cas où. Hier, on a été acheter la photo qu'on a fait avec le sage, comme je vous disais. Je vais essayer de vous la retrouver, de vous la montrer. Elle est là. Aujourd'hui, on va aller à faire les. Enfin, on va profiter, on va aller à la piscine, on va tout ça, mais on va aussi faire les boutiques. Parce que je veux revenir avec des souvenirs. J'ai déjà une petite idée de ce que je veux acheter, mais je veux voir parce que je veux prendre mon temps pour voir et tout. C'est pareil. Oh, il y a le contre-jour. Voilà. C'est pareil, je voudrais ramener un truc à ma mère et puis Gaëtan voudrait ramener aussi un truc à sa mère, donc on va regarder. Il veut aussi rapporter un truc à mon beau-frère parce que c'est lui qui est venu à la maison, qui s'occupait du chat, qui s'occupait du courrier, qui s'occupait de tout ça. Et donc, voilà. Donc, la petite photo avec Mookie. Il y en avait plusieurs, il y en avait de moi tout seul, il y en avait de Gaëtan tout seul, mais j'en voulais qu'une en fait. C'était vraiment pour dire le souvenir avec le singe, j'en voulais qu'une. Et puis, autant en prendre une de nous deux, parce que bon, moi tout seul c'est cool, Gaëtan tout seul c'est cool, mais si on peut en avoir une à deux, parce que bon, c'était quand même le voyage d'une lune de miel, ce n'est que mieux. Donc voilà, je vais aller me préparer, j'ai méga chaud. Je vais aller me préparer, on va aller déjeuner, et puis après on va profiter de la dernière journée. On va faire piscine, je pense, parce que plage, même si on reprend une douche à 16h, qu'on a le droit d'aller prendre une douche, plage, c'est pas trop mon truc avec le sable et tout, j'aime pas trop. Bref, je vais me préparer, on va déjeuner, et puis de toute façon, je vais vous vlogger, enfin je vais filmer tout mon retour en même temps. Le truc, c'est que l'aéroport à Punta Cana, je ne sais pas si je vais vlogger. Parce que, en fait, ils nous ont déconseillé de sortir tous les objets de valeur parce qu'il y a beaucoup de. En fait, il y a des gens sur les côtés qui sont là pour essayer de voler. Il y en a d'autres qui sont là pour essayer de vendre des choses et tout. Donc, je verrai si je peux ou pas dans les boutiques. On verra comment ça se passe. Et puis, après, quand on sera dans l'avion. Et puis, voilà. Après, on arrivera en France sous la pluie. Ça y est, on est dans le bus. Il nous amène à l'aéroport. Il est 16h30. Il y a une petite demi-heure d'avance, c'est pas grave, parce qu'on voulait faire les boutiques à l'aéroport. On va aller faire l'enregistrement. Et puis on décolle. C'est fini. Bon, ça y est, on est arrivé à l'aéroport. On a validé le passeport, Gaëtan a une mère de son passeport, il n'est pas passé et tout, il a dû repasser par un centre informatique et tout. Pourquoi il vient parler ici lui? Il vient parler ici, je suis en train de faire ma vidéo, bref. Du coup il a dû repasser par le bureau informatique, j'ai dû l'attendre et tout, ça a été un petit peu la merde. Là il y a un Victoria's Secret, je suis en train de me décider si oui ou non j'en prends parce que j'ai peur d'être bloquée après la douane en arrivant à Paris.
Donc je vais voir. Là l'avion il va arriver, on va aller dans l'avion, on va aller se poser, puis bah après c'est parti pour 9h de vol. Bye bye Punta Cana. Bon, il est 18h59, 19h. Je reviens de Victoria's Secret, j'ai craqué. J'ai pris 3 petites brumes parfumées, j'ai pris celle-ci. Celle-ci. Et celle-ci. Mais ça sent trop trop bon ce truc. J'avais jamais eu l'occasion de sentir parce que je regardais souvent sur internet ou tout ça. Et là que j'ai eu l'occasion, j'en ai profité et du coup bah, j'ai craqué. Du coup là on cherche, enfin Gaëtan charge la valise pour mettre les parfums dedans. Et il le prend exprès. Ensuite on va aller porte numéro 1 parce qu'on part à la porte numéro 1 dans 25 minutes. On embarque dans 25 minutes. On va aller se poser une heure dans l'avion et puis ben un peu plus d'une heure, mais on va aller se poser une heure dans l'avion avant qu'il décolle. On va aller se mettre à l'aise, on va mettre toutes les valises en cabine, tout ça. Et puis bah, après c'est parti. Mais ça fait bizarre parce que du coup il y a des Français. Chose que ça fait longtemps que je n'ai pas entendu parler français. Du coup il va falloir que je fasse attention parce que c'est pareil quand je m'exprime. J'avais l'habitude que ce soit des étrangers et maintenant c'est des Français. Donc il va falloir que je fasse attention à ce que je dise. Ça y est, on est arrivé en France. Je peux vous dire une chose, il fait méga froid ici. Déjà dans l'avion, j'avais un petit peu froid. Et quand il nous a annoncé 14 degrés, on a tous dit quoi. Bref, on est arrivé, on reprend la voiture et on rentre. C'est trop triste. Bon, ça y est, on est arrivé chez ma maman. Ma belle-mère est venue nous chercher. Du coup, on rentrera demain, donc lundi chez nous. J'ai chopé le mal de terre. Donc en fait sur le retour dans l'avion ça a été impeccable. Il y a eu pas mal de turbulences par contre. Et j'ai dormi pendant les turbulences. Et ben en fait c'est pas très bon parce qu'après on a le mal de terre. Et donc ben là en fait j'ai l'impression d'être, d'être dans l'avion. Ça me tourne et je me sens pas. Je sens pas mon corps, c'est horrible. Donc c'est un petit peu bizarre, je pense que jusqu'à ce que j'aille dormir, ça va être un peu l'effet yo-yo. Du coup, il est quelle heure là? 17h. Il est 17h, on a dormi deux petites heures. Putain, j'ai chaud. On a dormi deux petites heures. Parce que bah, dans l'avion, il y avait un mec derrière nous, il ronflait. Gros porc, ça me saoulait. Du coup, on n'a pas trop dormi dans l'avion. On a dormi 2 heures, on s'est limité, on a mis un réveil parce que je pense que sinon on était parti pour la nuit. Du coup ce soir on mange chez ma belle-mère et on dort chez ma mère. J'ai retrouvé Zouzoute, elle m'a couru dans les bras, elle a couru dans les bras de son père, elle nous a fait un câlin et tout. Je lui ai donné ses petits cadeaux, je lui ai acheté des petits avions, un petit avion qui fait du bruit, un petit avion en peluche et puis comme je vous ai montré les coquillages et le Peppa Pig. Là on va aller prendre une douche. Le décalage horaire il nous a un peu tué. On va prendre une douche et puis après on va chez ma belle-mère. Et moi, du coup moi je vais arrêter la vidéo ici. J'espère que tout vous aura plu. Je vous aurai fait découvrir un peu Punta Cana. Je vous fais des gros bisous. On n'oublie pas un petit pouce bleu. Vous pouvez partager, commenter. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.